Donc on continue ici avec le King Vulture, donc le roi vautour. Voilà, il nous fait la gueule. Donc là-haut, c'est des condors. Condors des Andes. Il est bizarre, lui. Bon, ici, c'est pas que des oiseaux, hein. Il y a des petits singes. Tu vois, il est vraiment minuscule. Il a une toute petite tête. Et là, ben, je sais pas où il est, l'autre. C'est eux qui font tout ce boucan. Voilà tous les animaux qu'il y a ici. Tous les oiseaux. Et donc voilà, il y a aussi une cascade. Bien sûr, tout ça c'est naturel. Donc là on change encore de spécimen, maintenant on est dans la partie des perroquets. Donc là avec des perroquets bleus, qui apparemment sont très très rares. Ça en fait du boucan.
Bon, y a pas que des lézards. Hein. Y a pas que des oiseaux, il y a aussi des lézards comme celui-là. Et là, les pélicans. C'est bizarre ce qu'ils font avec leur bec. Si ils envoient des petites vibrations. Donc ensuite ici ils appellent ça des lesser flamingos, donc des flamants roses plus petits, enfin raccourcis. Pour les enfants ici, bird of play. Voilà, il y a plein de d'attractions pour les enfants. Donc là on a d'autres flamants roses et ceux-là viennent des Caraïbes. Et il y a aussi des gros lézards, ils sont balèzes quand même. Juste là. Il y en a deux, l'un derrière l'autre. Oh, voilà, c'était la dernière chose à voir ici. Là, il est 1h30 passé. Donc j'y ai passé 2h30, je crois, un truc comme ça. Voilà. Maintenant, il n'y a plus grand chose à faire ici. On peut faire des tours de petits trains comme ça si on veut. Il fait juste le tour. Voilà, moi j'ai fait tout le tour à pied. Là je vais rentrer et puis je vais regarder ce que je vais faire après. Je sais pas encore. Il faut que je repasse à ma chambre à Airbnb. Bon, et du coup pour rentrer, je vais prendre le bus. C'est un peu plus rapide, là j'ai plus qu'une heure de bus. Parce qu'il y avait des travaux sur le métro, donc ce matin j'ai un peu galéré. Et en fait il commence à faire vachement gris. Et il commence à pleuvoir un petit peu. J'ai bien fait, enfin, ça se goupille bien tout au bon moment. Voilà. Bon, j'ai bien fait d'y aller ce matin au parc des oiseaux parce que là, quand je vous disais que tout à l'heure il pleuvait, il commençait à pleuvoir, là il pleut vraiment. Donc je suis retourné dans ma chambre, voilà ce que ça donne. Voilà, donc là, ça s'est un peu calmé depuis tout par rapport à tout à l'heure. Mais bref, il pleut vraiment. Le deuxième jour que je suis arrivé. Le premier jour d'après-midi, il faisait ce temps-là. Voilà. Donc là du coup, moi je suis revenu dans ma chambre. Et puis je vais fermer. Voilà. Et puis du coup je vais faire du montage vidéo. Parce que j'ai beaucoup de retard. Donc il est 5h, comme ça je vais pouvoir bien m'y atteler et puis préparer aussi, continuer à organiser mon voyage au Vietnam parce que du coup je pars demain. Voilà, donc ça va être le programme de l'après-midi, de la fin de l'après-midi. Bon là du coup il est 10h du soir je crois, ouais c'est ça 10h. J'ai bien avancé sur les montages, il a plu toute l'après-midi après, enfin toute la fin de l'après-midi jusqu'à 20h, 21h, un truc comme ça, 20h je crois. Voilà, donc du coup moi j'ai pas fait grand chose d'autre, j'ai surtout fait mes montages vidéo et préparé mon sac aussi parce que du coup aujourd'hui c'était le dernier jour à Singapour, demain je pars, donc je quitte ce pays pour aller au Vietnam maintenant, prochaine étape de mon aventure. Voilà, donc ça va être tout pour aujourd'hui, donc j'ai vu qu'il faisait suffisamment chaud en France maintenant. Donc comme d'habitude je pense à vous, je regarde un petit peu les actualités, etc. Et puis continuez à vous abonner, à regarder mes vidéos, à les liker, à les aimer. Et puis comme à chaque fin de vidéo, je vous dis à demain pour une nouvelle journée. Demain il ne va pas y avoir grand chose, je pense. Parce que je décolle à 13h, j'arrive à 15h à Ho Chi Minh. Peut-être que j'irai visiter la ville, je sais pas, je vais voir encore. Voilà, donc ça va être le programme de demain.
Donc, bonne soirée, bonne journée à tous et à demain. Salut, salut, salut!